Fait que là, on s'en va au gym. C'est ça. Fait que là, vous allez nous suivre aujourd'hui dans notre journée. À faire un petit peu, mais c'est quand même une journée occupée, mais on a décidé à cette heure que même quand on a des journées occupées, on prend le temps de tout le temps s'entraîner, on prend le temps d'avoir un bon mode de vie, quitte à ce que le travail soit en retard. Proche ça, ben c'est Priscilla qui va prendre la suite, là. Fait que je vais la laisser faire la suite du vidéo. Ciao! Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Il est présentement 12h15, puis 12h17 pour être plus précis. Et j'ai un low morning start parce que j'avais des appels à matin à faire, des courriels à répondre, et dans ce temps-là, je me maquille pas. Et j'ai pris le temps aujourd'hui de me mettre l'autobronzant, fait que si vous trouvez que c'est harsh, si c'est normal, ça sera pas de même, c'est juste que mon autobronzant, il y a genre une coloration dedans pour voir où ce que t'en mets. Fait que des fois, on dirait que quand on en met, ça devient comme super harsh. Mais après ça, quand que je prends ma douche, ça s'enlève tout. C'est juste que pour l'instant, c'est moyen. Fait que là, je vais me préparer. Puis tantôt, je pense qu'on va aller magasiner des plantes pour la cour arrière. Emmanuel a travaillé depuis 6h un matin, là, il est dehors. Puis on avait une fontaine, je sais pas si vous vous rappelez, en arrière dans la cour. Puis... elle est brisée durant l'hiver, fait qu'on a décidé de l'enlever complètement puis de pas la remplacer, ça ne tentait pas. Elle était vraiment grosse, fait que ça prenait de l'espace, puis vu qu'on est en ville, c'est pas, on n'a pas une cour de campagne, tu sais, fait qu'on veut maximiser l'espace qu'on a. Et je vais aller acheter des plantes, je vais aller acheter des trucs pour nourrir les oiseaux. Des petites commissions comme ça, ça va être le fun. Et ce soir, si les enfants sont pas trop fatigués, on est supposé d'aller voir le film Aladdin. Fait que ça devrait être le fun. On est allé voir tantôt, il était pas super bien coté sur internet, mais c'est pas grave, on y va pareil parce qu'Emmanuel, c'était son film préféré quand il était petit. Fait que c'est comme un must qu'on y aille. Alors, je vais commencer à me préparer. J'ai commencé à utiliser cette brune là de chez Elf Cosmetics, puis je l'aime bien gros, c'est un Oil Control Primer Mist, puis tu fais juste le spray comme ça sur la peau, puis là tu le laisses entrer, puis ça prépare la peau au maquillage. Fait que je teste ça présentement. Ah oui, et j'ai fait mon thé vert avec 2 cuillères à soupe de, j'ai juste le mot en anglais, vinaigre de cidre de pomme. Fait que je bois ça, puis savez-vous quoi, je sais pas si je suis toute seule là, mais j'adore le goût du vinaigre de cidre de pomme. Genre, toutes les personnes que je dis genre que j'aime le goût sont comme toutes, ben voyons donc. En plus, j'ai mal à la gorge. Ça fait genre 2 semaines, on est comme les enfants, ils étaient malades. J'ai eu un rhume. Puis tout ça, puis là, ça fait tellement du bien. Alors, c'est ça. Donc, ah oui! J'ai plein de produits que je veux tester aujourd'hui. J'ai fait une commande sur le site de Jeffree Star. J'ai commandé ses nouveaux concealers, j'ai commandé plein de trucs, fait que je vais tester ça aujourd'hui. Et j'ai commandé aussi le Tan Tour de Huda Beauty, fait que je vais tester ça. Je suis virée folle chez Sephora. Regardez ça, c'est tout. J'ai un problème, le sac est tout défait, mais je vous montrerai ça, peut-être pas dans ce vlog-là, là. Je sais pas s'il va être trop long, peut-être que oui, peut-être que non, mais sinon dans le prochain vlog, je vous montrerai ce que j'ai acheté. En attendant, on va ouvrir les trucs de Jeffree Star parce que ça, je suis plus capable de me contenir. Ça fait genre 2 semaines que je les ai reçus, je pense, puis j'attends de vous les montrer dans un vlog. Puis je le fais jamais, j'ai jamais le temps. C'est la nouvelle poudre translucide comme ça, puis elle se paraît à sent la barbe à papa, fait que j'avais vraiment hâte de la tester. Oh my god, elle a toute pété. Oh non. Elle a toute pété. Et genre toute pleine de poudre. Et peut-être que la petite a genre joué avec. Puis c'est elle qui l'a cassé. Je pense pas que c'est arrivé de même. Bon. Je l'ouvre. Tiens. On va enlever le... Oh.
Oh my god, ça sent la barbe à papa, mais j'en pas trop. Fait que c'est une poudre translucide dans le fond pour baker. Je vais l'ouvrir comme ça. Oh my my, ça sent bon. Oh, j'aurais envie d'en manger. Donc, c'est full beau le packaging, comme d'habitude. Jeffrey, ici, comment ça marche. Prochaine affaire que j'ai acheté, c'est le Ice Cream Bling. Ça va être beau avec un tan. Je vais l'essayer peut-être demain. Je vous redonnerai des nouvelles, mais d'après moi, d'après ce que je pense, je serai pas déçue de mon beau Jeffrey. Ensuite, j'ai pris le velours lipstick dans la couleur Gemini. Fait qu'ici, c'est Gemini et Christmas Cookie. Fait que j'ai pris deux shades parce que j'avais peur que ce soit sold out, genre tout de suite. Fait que je me suis dit que j'allais pas niaiser avec le pot. J'allais commander les deux shades que je pensais que j'étais. Donc j'ai pris la C13 et la C7. Là, on va l'ouvrir ensemble. Je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais il s'est fait voler une grosse batch de concealer à son warehouse. C'est genre terrible. Oh my. Regardez ça, c'est la C7. Regardez comment c'est beau. Tellement beau avec la petite star. Puis la C13, on va voir. On dirait vraiment que c'est ma shade. Là, c'est sûr que je suis tanne, mais il va falloir que j'y aille mollo. La C13. De même, il n'y a vraiment pas l'air d'avoir une grosse différence. On dirait qu'il y en a une qui est plus rose, puis l'autre est plus jaune. J'espère que ça va être correct. Bon, j'arrête de parler. Ça fait je sais pas combien de temps que je parle. Et je me maquille. Puis là, j'ai besoin de m'acheter des fonds de teint d'été parce que je vais être plus foncée. Mais là, en attendant, je vais tweaker avec du bronzer puis tout. Là, ça fait vraiment la job. Au pire, ça crée un contour, je trouve. Là. Mais j'ai pris la 220 beige naturelle de chez Maybelline Matte & Poreless. Je l'aime beaucoup. Puis elle est vraiment pas dispendieuse. Of course, je me mets toujours des vidéos. YouTube. À date, j'aime vraiment, 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 vraiment l'infini du Cacherme. Sur le coup, j'ai fait le saut parce qu'on dirait que je le trouvais vraiment pas, mais regardez. Mais là, je sais pas en caméra si des fois l'éclairage est pas carré puis c'est bizarre, là. Mais en vrai, c'est vraiment beau. Maintenant, je vais faire mon contouring et je vais essayer le Tantour, la nouvelle crème contour de Huda Beauty. J'ai écouté son vidéo puis elle disait que, en fond, il fait contouring et il fait aussi bronzer à la même, tu sais, at the same time. Oh my god, c'est bien trop foncé. Hey, ça a l'air d'être beau. En tout cas, en vrai, c'est très beau. Je sais pas à caméra comment ça sort, là, mais en vrai, c'est super beau. C'est full léger. Je sens pas que j'ai un contour. Tu sais, des fois, le produit est vraiment lourd, il est vraiment heavy. Mais genre, pour vrai, j'ai fait le saut du coup parce que c'était vraiment foncé, mais waouh! Baker avec la poudre fixative de. Pas fixative, mais la poudre pour baker. C'est mon bébé qui fait des stories. Bon, là, les enfants sont à la garderie. On va aller au bureau. Après ça, on va acheter des fleurs. Fait que là, je mets une bâche dans mon drac. Parce que j'essaie de le garder bras. Et ça, c'est mon bébé qui fait des stories. Pour montrer mon maquillage. Oui, il est vraiment bien. Finalement, beau. Je suis vraiment, 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 vraiment contente du. Tantour que je vous ai montré tantôt, puis le concealer de Jeffrey, puis tout
tous les nouveaux produits que j'ai essayés, genre... J'arrête pas de m'accrocher tout le temps dans... Là, on s'en va au bureau, après ça, on s'en va... Acheter des fleurs. Acheter des fleurs, comment ça faire beau. J'ai des commissions à... Oh, faut que j'aille à l'épicerie aussi, on a presque plus de légumes. Puis on a genre vraiment, vraiment santé de ce temps-ci, là. Fait qu'on tantôt. Va vous amener avec nous. Les enfants, une petite salle de jeu là. Ouais. Mmh. On a fait ça family friendly. Family friendly. Non, mais je vais pas vous montrer tout de suite les office stores parce que j'ai pas encore fini. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient, promis. Et ça, c'est mon bureau. Je vais vous montrer. Loup. Là, c'est un peu à l'envers parce que j'ai des choses à ranger là. Mais ça veut pas focusser. Non, je monte pas ton bureau. Non. Ben, de même. Ah, il s'en vient. Il s'en vient pas pire. Et ça, c'est la partie studio. Fait que c'est là qu'on crée le contenu qui a besoin d'être en studio. C'est genre une pièce toute blanche. Je voulais avoir le plancher blanc pour que ça soit vraiment le plus lumineux possible. Ici, ça va être le coin de... Quand je me maquille, mettons... Allô? Quand je me maquille, puis que... Et j'ai besoin des retouches, peu importe. Le miroir, il faut que je le fixe. Ben, pas moi, mais Emmanuel va le fixer au mur. Puis, installer des lumières comme ça que j'ai pris. Oui, que c'est genre des boules là, qui vont de même. Fait que c'est ça. Après, c'est ici, j'ai un coin rangement. Fait que tout ce qui est équipement de studio va être là, ben, et là-dedans. C'est en l'envers, c'est pas encore fini, mais c'est en processus. Un steamer, quand j'ai besoin de steamer le linge que je porte ou peu importe. Mon divan, coin lounge, quand on relaxe, ben pas qu'on relaxe, oups, mettons que, je sais pas moi, il y a du monde qui vient au studio pis genre, t'as besoin de t'assis pendant qu'on shoot, peu importe là. Sinon des fois j'amène mon ordi puis je travaille sur le divan là, ça fait changement du bureau et un repose-pied, le fameux tapis que j'ai acheté voilà quelques années mais que je suis pas capable de me défaire parce que je l'aime trop. Et les enfants ont joué avec de la slime. Sur le divan! Fait que j'ai des trucs de slime, je sais pas comment faire partir ça. Si jamais vous avez des enfants, vous autres ici, et que ça vous est arrivé, laissez-moi en commentaire ce que vous avez fait pour que ça parte, parce que je sais pas comment me défaire de ça. Et ici, c'est la place rangement maquillage. Fait que là, c'est full messy. Il y a plein de boîtes, même pas ouvertes encore, j'ai même pas encore eu le temps d'ouvrir, mais faut vraiment que j'organise tout ça. C'est mon inventaire de maquillage pas ouvert. C'est là que je vois qu'il veut des soins de crème. Oui, Eman, il vient fouiller là quand il veut des soins de crème, ou ben des fois, je vais faire du ménage là, puis je demande, j'en donne à maman, à ta mère. L'autre jour, tu m'as pogné en train de checker pour des crèmes anti-âge. Ouais. Puis, alors, là. Ça, à date, c'est ce qu'on a installé dans la... Dans le bureau des mannes. Ouais, mais là, c'est pas moi qui décide qu'est-ce qu'on accroche. Fait que j'attends ma designer. Non, mais on dirait que je sais pas comment mettre ça. C'est ça. Et on retourne à mon bureau. Fait que moi, je suis vraiment plus installée parce que j'ai pris le temps de le faire. Mais. Hein? Fait que ça a l'air d'être ça, ma vue. Oh, excusez, shake. Ça a l'air d'être ça. Je me suis acheté un pot comme ça aux états pour me mettre des plantes là-dedans. Mais tu sais, c'est encore messy, là. Il y a des. Ça, genre. Faut vraiment que. Je me suis fait des photos des enfants, des mannes, pis tout ça. Faut juste que je les mette dans le. Les petits cadres. À date, j'ai fait lui. Des photos que j'ai prises sur Instagram. J'ai ma lampe de ciel. Hey, j'avais pas de bon sens. J'arrête pas d'accrocher. Ma lampe de ciel himalayen. Ça, c'est un cadeau de Givenchy qui m'ont envoyé au courant de l'hiver. Un cristal. Un petit cadeau de S. Best Mom Ever. Le premier édition papier. Des livres qui m'inspirent. Une tonne d'éditions papier. C'est drôle, j'ai juste le 1, mais il fit dans ma déco comme. Des livres ici de mode. Pour décoration, une petite horloge que je trouvais full belle. Fait que là, j'ai un grand miroir que je pourrais prendre des selfies de outfit. Et là, quand je viens au bureau, je suis tout le temps habillée, genre.
jogging, puis tout. Fait que voilà, c'est à ça que ça ressemble présentement. Et là, c'est le coin cuisine. Ça, c'est le coin des enfants. Fait que là, les enfants, on est allé leur acheter de la fausse pelouse. Fait qu'ils jouent ici, puis ils font genre des pretend play. J'étais allée leur acheter un ice cream stand, un market. Ici, il va y avoir une porte, fait qu'oubliez ça. Ils ont un jeu de basket. Et Mariana est vraiment into les bébés. Fait que, aux états, quand on est allé chez Target, j'ai trouvé ce petit kit-là. Il veut pas focusser. J'ai trouvé ce petit kit-là au Target de bébé, puis je trouvais ça vraiment trop, trop, trop cute. Il y a même un petit lit comme ça. Donc elle a ça, fait que quand ils viennent au bureau, ils ont plein de trucs pour jouer. Bon ben c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de donner un thumbs up à la vidéo. Allô! Est-ce que tu viens de dire salut aux amis? Finalement aujourd'hui, on n'ira pas au cinéma parce que on va y aller demain. Les enfants sont trop fatigués. Non, ils sont pas fatigués. C'est une joke. Une joke? Oui, c'est une joke! Donc, demain, on va se reprendre pour aller voir Aladdin. Je sais que les enfants sont pas contents, mais c'est la vie. T'es content? Alors, on se revoit super bientôt. Bye!